Bonjour, bienvenue dans ce palais de la Porte Dorée pour notre 19e cérémonie des labels Ville, Territoire et Village Internet. Bon, vous le savez, nous faisons cette cérémonie assez souvent à Paris. Ça tombe sur une année parisienne, cette 19e année. Et nous sommes dans un magnifique endroit donc, pour vous accueillir, vous ici présents, et puis vous en ligne qui êtes encore plus nombreux, et peut-être espérons-le au chaud dans vos bureaux. Bien, donc nous allons débuter cette journée dès maintenant. Il va y avoir toute une série d'événements qui vont s'enchaîner. Ce travail se fait chaque année en préparation de la cérémonie. C'est tout un travail au sein de l'équipe Ville Internet, mais également c'est un travail qui est conduit en relation étroite avec nos partenaires. Ici, Alain Doyen de la Mutuelle Nationale Territoriale et d'autres partenaires qui nous rejoindront également tout au cours de cette journée. Alain, un mot peut-être ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, puisque nous sommes, comme le disait Florence, le partenaire historique de Ville Internet, qui est devenu maintenant Ville et Village Internet, puisque j'ai eu la chance aussi d'être maire d'une collectivité pendant 31 ans et j'ai participé au concours. Et maintenant, je fais partie du jury, mais j'ai rendu ma casquette de maire d'une commune rurale et j'étais directeur dans une collectivité plus importante à côté. Donc, on va se voir toute la journée. On aura des contacts très intéressants, j'imagine. Et poursuivons l'œuvre entreprise par Ville Internet pour de longues années encore. Bien, merci Alain. Donc Alain Doyen, vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale. J'aimerais souligner également la présence de Dominique Mahé, président de la MAIF, qui est également un de nos partenaires au travers du MAIF Numérique Tour, et Médric Menestier, président de la BFM, directeur général, pardon, de la BFM, qu'Alain Doyen a bien voulu nous présenter et qui a nous fait l'honneur de nous accompagner également sur cette année de travail en tant que partenaire. Donc les mutuelles sont avec nous et avec vous surtout, les collectivités, les villes internet et toutes celles qui nous ont rejointes cette année, puisqu'on a cette année particulièrement un nombre assez important de collectivités. On est 205 collectivités vont être labellisées pour ce 19e label tout à l'heure, ce soir. Vous saurez exactement vers 17h ce qu'il en est. Et puis avec Emmanuel Evenot, donc président de l'association et du jury, eh bien, c'est toute une série de partenariats avec des universitaires pour le travail tout au long de l'année sur la mise en place du label. Et puis bien sûr les ministères qui sont engagés également à nos côtés. Rappelons le ministère de l'Éducation nationale, la direction du numérique éducatif, qui est également partenaire sur le MAIF Numérique Tour. On a également le partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Tout à l'heure, on va vous parler avec la direction à l'action extérieure des collectivités territoriale de ce rapport qui émerge suite à une année de travail présentée par Aki Moural sur la ville intelligente. Y a-t-il un modèle français ? Nous avons un rapprochement solide depuis de longues années avec le Commissariat général à l'égalité des territoires qui, dans l'après-midi, va présenter et nous informer sur Wi-Fi for Europe. Ils seront donc là tout à l'heure. Et donc la journée s'annonce riche. On s'adresse évidemment aux gens qui sont dans la salle et merci à tous ceux qui viennent de très loin. On a 750 inscrits aujourd'hui. J'imagine que quelques-uns vont avoir des difficultés à nous rejoindre. Quoiqu'à Paris, ça roule pour ceux qui veulent encore se décider. Le périphérique j'en sors roule et la glace a bien fondu. Il y a du sable et du sel partout. Donc tout va bien. On va tout au long de cette journée être retransmis en direct et vous allez donc pouvoir de chez vous, de vos collectivités, suivre l'ensemble des événements, à savoir ce qui va se passer dans cette salle. On va y revenir dans une minute, dans cet auditorium du Palais de la Porte Dorée qui est absolument magnifique, et de ce qui se passe également dans l'espace d'exposition. On a environ 25 collectivités locales qui exposent avec leurs partenaires et qui présentent leurs initiatives, qui décrivent leurs initiatives. Toujours l'échange d'expérience pour Ville Internet, c'est la base de notre travail. Et ensuite, on découvrira cet après-midi les bancs publics qui sont une innovation particulière pour essayer de travailler en tout petit groupe de 8-10 personnes. C'est un challenge.
challenge pour faire travailler au moins 400 personnes ensemble dans des petits groupes sur des grandes thématiques et en définir les chances et les risques. Voilà un petit peu le programme de la journée. Vous allez voir les grands débats qu'on introduira tout à l'heure. Et je voudrais remercier l'équipe de Débat Lab que vous voyez là et qui va, comme chaque année maintenant, c'est une tradition, présenter ce qu'on appelle des mini-débats, mais des débats de 12 minutes web télévisés, c'est un temps télé tout à fait respectable et qui permet de mettre en valeur à la fois les élus, les collectivités, mais également les partenaires de l'ensemble de la journée. Donc merci à vous tous d'être ici et ne nous quittez pas si vous êtes à distance. À tout à l'heure.